Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'objectif récolte de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc c'est parti, je lance le portail. Alors l'objectif récolte est pas très compliqué non plus. En fait, regardez ici, vous avez un obélisque. Et à gauche, vous allez devoir récupérer 5 pierres runiques pour remplir les obélisques. L'obélisque. Donc en fait, vous allez récupérer des pierres quand vous allez tuer des zombies et il faudra les apporter à l'obélisque. Et vous allez devoir faire ça 3 fois. Je ne sais pas si par contre, regardez là, j'ai récupéré une pierre d'obélisque. Et je disais que je ne savais pas si les pierres runiques augmentaient au fur et à mesure des manches. Donc là, je suis manche 3, il me faut 5 pierres runiques. Peut-être que si on augmente dans les manches, il m'en faudra plus. Et peut-être que là, c'est une phase sur 3. Donc il y a 3 phases. Peut-être qu'il y aura plus de phases prochainement. En tous les cas, plus vous allez monter dans les manches, plus les zombies vont être rapides et vont être balèzes et vont vous faire très mal. Alors bien entendu, regardez les pierres runiques, elles disparaissent si vous ne les récupérez pas. Et si quand vous en avez 5, vous ne pouvez plus en récupérer plus. Donc là, je vais tout simplement déposer les pierres runiques. Il faut maintenir carré pendant quelques secondes. Voilà, là j'ai déposé toutes les pierres runiques. Et je peux anticiper et récupérer une autre pierre que j'avais pas pu récupérer juste avant. Donc ensuite, vous allez devoir vous diriger vers le deuxième obélisque, donc le mangeur de péché qu'ils appellent ça, et récupérer 5 pierres runiques pour remplir l'obélisque. Alors vous avez vu, hein, les zombies explosifs font très très mal, donc faites très attention à ces zombies-là parce qu'ils sont quand même assez balèzes. Donc là, je dépose mes 5 pierres. Ça va assez vite, je trouve, parce que les zombies m'en donnent assez souvent. Peut-être que quand j'augmenterai dans les manches, ils m'en donneront moins souvent, je ne sais pas. Donc là, je fais la troisième phase et je récupère 5 pierres, 5 pierres runiques. Ok, donc là, j'ai les 5 pierres runiques. Donc c'est parti, je les mets dans l'obélisque. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et quand vous aurez fait ça, bah, vous aurez terminé l'objectif qui est de récolte, qui est la récolte. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.